Bonjour à tous et à tous, c'est Virus. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jeu Mirror Age, pour l'épisode 7, la suite de l'épisode 6, l'épisode précédent, si vous avez vu ma précédente vidéo. Donc, c'est parti. Bon, c'est ma première partie de la journée, il va falloir que je me remette dans le bain. Il va falloir que je me réhabitue à ce jeu. C'est le dieu. Ouais, la surveillance est maximale. Et toi, tu es monté sur le bateau à pied. Va repérer tout de suite. Il doit bien y avoir un moyen de monter à couvert. Ok. Ok. Ouais, je vais bien, mais bon. Je sais pas trop comment descendre en fait. Je ne sais pas trop comment descendre. Ah, peut-être par ici. Ah ah. On peut descendre là-dessus maintenant. Ah oui. Donc voilà à peu près. Je pense qu'on peut sauter encore là. Ok. Ah oui, donc le premier sac caché de ce niveau se trouve ici. Voilà. Ça c'était le premier. On peut pas passer par là. Je regarde un peu les environs. Je sais pas si par ici on peut passer. Apparemment on peut pas non plus, à moins que... Non, je pense pas. Donc ça a l'air d'être par ici. Non, même pas. Ah ah. Ok. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le bateau? À savoir, une mission peut-être, ça a à voir avec le projet Icar. Bon, va directement sur le pont si c'est l'acte de l'équipe. Trouve-le et essaie d'obtenir des réponses avant de décaler en vitesse. Il y a beaucoup de flics dans le coin, tiens-toi prête. Bon, je me prépare à me casser en vitesse. Donc c'est long hein. C'est un peu long tout ça hein. On va essayer de, je sais pas, faire quoi. Mince. Faut aller par là. Ah oui, donc par ici. Alors, là, vous grimpez à la gouttière. Il faut arriver tout en haut de la gouttière.
vous sautez sur le conduit d'aération. Une fois sur le conduit, surtout ne pas tomber, vous ressautez pour choper ce conduit là. Ici, vous descendez. Hop, ici, vous passez là, passez sur les grilles, hop, vous remontez là-dessus, vous passez là, et là, tout au bout, vous avez le deuxième sac caché qui se trouve ici. Voilà. Ok. Je sais pas par où on va passer. Ah d'accord, par ici. Bon, bah alors lui, j'ai jamais vu ça. Le mec il m'a même pas vu arriver, et je sais pas ce qu'il a fait. Ah, j'aurais dû désarmer le deuxième. Pas pouvoir ouvrir la porte sinon. Et par ici. Ah, j'ai pas de chance, hein. C'est pas mon jour. On est reparti. Non, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Voilà, faut que je descende. On va sortir par ici. Merde. J'arrive pas à le désarmer. Si j'essayais de passer incognito, enfin, peut-être pas incognito, mais bon, c'est de passer quoi. Ah ouais, si j'appuie pas sur les bonnes touches, ça va pas le faire. Ah, j'ai pas de chance, dis donc. Bon, apparemment, c'est impossible d'ouvrir la porte si on désarme pas les bonhommes. Donc, il va falloir que je le fasse. Que je les désarme. Si j'arrive encore à... J'arrive même pas à les frapper. Ah, ça se voit que c'est ma première vidéo de la journée. Je suis pas encore très très réveillé. Voilà, ça c'était pour le premier. Ah bah d'accord, même en désarmant deux bonhommes, j'arrive à me faire tuer, donc il y a un souci, il y a vraiment un souci. Ah. Non. Bah oui. Et dire que je suis en difficulté facile. Donc franchement, je vois pas trop où aller la facilité là, franchement.
On n'a même pas le temps de désarmer un bonhomme qu'on se fait tout de suite tuer. J'appelle pas ça une difficulté facile, moi. Non, 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 pas mourir. Je veux pas mourir. Ah, on va peut-être y arriver ce coup-ci. Voilà. Enfin. Eh ben, c'était pas trop tôt, hein. C'était pas trop tôt. Par ici. Par là. Elle conduit. Demi-tour. Non. Faut que j'aille par où? Ah, où est-ce qu'il faut que j'aille? J'en sais rien. On va tenter par ici. Peut-être grimper sur le côté. Non. D'accord. Ah non, oh là là, je suis vraiment pas réveillé. C'est bien parce que c'est la première vidéo de la journée. Et ma première partie. Voilà, on refait tout ça. On se retourne. Non, on va se décaler un petit peu parce que tout à l'heure il m'a fait le coup. Voilà. Voilà. Là, on grimpe là-dessus. On va re-sauter là-dessus. Voilà. Là on est passé. On va descendre. Ok. Ok. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Pas grimper. Ah d'accord. Et non, je sais pas ce qu'il faut faire. Oh là là. Oh, la difficulté là, elle est maximum là. Il n'y a aucune aide, le champ de vision il est pas terrible. Arrête de bouger toi. Faut grimper. Hop, on s'accroche. Ah, pourquoi il est descendu? J'ai pas redemandé de descendre, non? Bon. Peut-être sauter. Eh ben si c'était ça à faire. Ah, énorme. Énorme.
c'était pas ici non plus, on dirait. Non, c'était en face. Ah, je croyais que j'avais pu pouvoir descendre. Faut grimper où? Tout en haut? Bon, un petit peu d'aide, ça serait pas de refus quand même. Hein. Parce que là... franchement, ils me laissent vraiment en galère. Hein. Oh, et puis il faut que je recommence. On va essayer de regrimper. Ah non, il n'y a rien à faire ici. Ah d'accord, faut aller à la trappe qu'il y a juste là. Mais comment y grimper à cette trappe? Ah, j'ai peut-être ma petite idée. Ok, eh ben putain, c'était pas trop tôt. C'était pas trop tôt. Allez. J'ai même pas vu le trou, je tombe tout de suite dedans. Bah tant mieux. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ah oui, donc ici, là, tout de suite à droite, là, regardez derrière la caisse, il y a le troisième sac caché. Donc voilà pour les trois. Vite fait. Et merde. Bon, moi j'ai été chercher le sac caché. C'est toujours ça. C'est toujours ça de fait. Essayer de rester un peu caché, récupérer un peu de vie. Grimper là-dessus. Là on peut pas passer. Enfin si, ici. Je sais pas du tout pourquoi ils m'ont dit de passer ici. C'est vraiment des gogos. Je sais pas où il faut aller. Vu, j'arrive pas à le désarmer. Ah. Ah, il doit falloir se battre contre lui. Thank you.
Ah non! Bah, je sais pas comment enchaîner. On va réessayer tout de suite. Ah d'accord, je crois avoir compris. En fait, faut lui faire assez mal pour pouvoir le désarmer. Enfin, je crois. Voilà. Maintenant, il se barre. Chargement du niveau. Ah là là. Parti par où? Par là. Il est grimpé là-dessus, moi. Je sais pas. Apparemment, si. Ok. Voilà. Et désarmer tout ce qu'il faut. Donc voilà pour l'épisode 7. Petite vidéo de l'épisode 7. Bon, désolé si j'ai un peu galéré, mais je suis pas encore très très bien réveillé en fait. Donc j'ai fait un peu comme j'ai pu. Donc voilà. J'ai essayé de te prévenir. Je suis désolée. Il faut savoir renoncer aux textes. Tu sais faire. Rappelle-toi de tes parents. Les messagers, c'est fini. Et une carte, c'est le début. Et je veux vivre, Paul. Pas juste survivre. Pourquoi, Paul? Sa campagne marchait étonnamment mieux que prévu. Et franchement, il a merdé. Il s'est mis à menacer ses adversaires. Les gens ont cassé. Il a été mis au couvent pour l'éternel. Alors il va confier son corps. Lui ou moi. Je suis désolée pour Clay. J'ignorais qu'elle était pour ça.
Kate a été jugé. Déjà ? La réforme de la justice est efficace, hein ? Jugé coupable, Trace. Tu croyais quoi ? Un convoi doit l'emmener en prison dans environ une heure. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit j'aime si vous avez aimé, moi ça me fait toujours plaisir, et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour la suite des vidéos. Allez, ciao, à la prochaine.